sur la terre. Dieu aussi est sur la terre. Amen. Amen. C'est la guerre. Amen. Amen. Il n'est pas venu seul. Il avait ignoré. Dieu aussi a élevé l'étendard. Amen. Amen. La nuée de gloire. Les anges de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont venus. Maintenant, écoutez-moi bien. Je ne pense pas que je vais être en dehors de la parole de Dieu si je dis ce que je vais dire aussi. Si le quatrième cavalier, cheval, était la composition du premier, du deuxième et du troisième, le quatrième être vivant doit être dans sa nature, dans sa puissance, il doit avoir le premier, être vivant, l'onction du deuxième et du troisième. Parce que ça doit être proportionnel. Amen. 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 Maintenant, examinons cet être-là qui vole. Si on ne verra pas en lui le lion, si on ne verra pas en lui le bœuf, si on ne verra pas en lui l'homme, est-ce qu'on est prêt? Amen. Amen. Cet aigle qui vole, un aigle, c'est un animal puissant. Amen. C'est le plus puissant de tous les oiseaux qui existent. Amen. Il est comme le lion, parce qu'il peut déchirer. Il est comme le lion parce qu'il est puissant. L'aigle ne recule jamais. Amen. L'aigle n'abandonne jamais. Amen. L'aigle est déterminé. Amen. S'il dit, je vais bouffer ce serpent, l'aigle n'abandonne pas la bataille. De la même manière que le lion, il marche avec fierté, avec autorité, sans reculer devant rien. L'aigle est comme ça. C'est pour cela, si vous avez le Saint-Esprit qui est déversé dans ces derniers jours, amen, sous l'onction de l'aigle, vous devez avoir en vous les caractéristiques des lions. Yes. Il faut qu'il y ait des miracles, des prodiges, de puissance, la parole. Yes. Amen. 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 Sous l'onction de l'aigle. L'aigle, de la même manière que les lions rugissent. Quand les lions rugissent, tout le monde tremble. Quand l'aigle pousse son cri, on dit un cri perçant. Tous les oiseaux sont en débandade. Un aigle n'a pas peur. Amen. Quand vous êtes moi de l'onction de Dieu, c'est pour cela qu'il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Toi qui? Moi, Jésus, mais tu n'es plus là, papa. Tu es au ciel. Je vous avais dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous, même en vous. C'est ça l'importance du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est l'onction de l'aigle qui vole. Amen. 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 Ah, c'est pour cela que depuis Jean-Baptiste, ce sont des violents qui foncent, qui s'emparent du royaume des cieux. Ce n'est pas des poltrons. Un aigle n'est pas un poltron. Oh, nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. Vous pleurnichez comme des poussins. Oh Dieu, soutiens-moi, aide pitié de moi. Un aigle, il est comme le bœuf. Amen. Comment ça comme le bœuf? Le bœuf, c'est un animal de travail et un animal de sacrifice. Regardez comment l'aigle travaille. L'aigle ne mange pas quelque chose que quelqu'un d'autre a tué à sa place. Amen. L'aigle va chercher sa nourriture lui-même. Il mange ce qu'il chasse. C'est pas un paresseux. Il a l'onction du bœuf, un animal de travail. Amen. Il n'est pas comme le corbeau qui s'en suspendu sur le poteau électrique. Sur l'autoroute A14, attendant qu'on puisse leur trouver un lapin. Ils voyagent de poteau sur poteau pour voir un lapin qui a été écrasé il y a 4 jours. Qui sent mauvais. Ils descendent là, ils commencent à manger. C'est comme d'autres frères, ils ont les esprits de corbeau. Ils passent des réseaux sociaux en réseaux sociaux, de YouTube en YouTube, de WhatsApp en WhatsApp. Ils cherchent quoi? Ils cherchent un scandale. Est-ce qu'un frère est tombé quelque part? Il sera fait quelque part. Quand il trouve un lapin mort sur l'autoroute, un frère qui est tombé il y a 4 jours, il vient s'asseoir là et il communie. Et il mange ça. C'est juste, c'est vrai. Attention ma soeur, tu peux avoir l'esprit de corbeau, de corneille, de charonard, et tu dis que tu
s'assemblera. Là s'assembleront les aigles. Le corps se voit la parole. La parole qui saigne. L'aigle lui-même va chasser. Il fera les septièmes sauts dans les COD, dans les livres de Daniel. Alléluia. Il va dans l'adoption. Il va dans le Christ, le mystère caché, révélé de ce temps-ci. Il va dans toutes ces broutures. Il chasse lui-même. Amen, hein? Amen. Quand il trouve une citation qui bénit son âme, il appelle le frère. Il dit, frère, relis un peu tel paragraphe. C'est exactement ce qu'elle pensait de prêcher. Mais vois comment le prophète a créé cela. Ça bénit mon âme. Amen. Amen. Il dit, bien aimé, ça va, tu as appris ce que j'ai appris. Tu as appris encore quoi? Maintenant, il faut être connecté, hein, frère. Nous, on est connectés. Vous êtes connecté à l'enfer. Oui. Amen. Parce que les scandales viennent de l'enfer. Oui. Quand tu connais tous les scandales qui se passent sur la terre, parmi les frères, tu es connecté à l'enfer. Oui. C'est les démons de ton antenne qui te communiquent les mauvaises choses qui se passent en Chine, en Éthiopie, en Somalie. Ça, c'est vrai. Tu es connecté. Mais nous voulons être connectés au ciel. Amen. 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 Nous voulons être connectés à comme Daniel. Il était connecté au ciel. Amen. Gabriel est venu dire, quand tu as commencé à prier, Dieu m'a envoyé parce que tu es un bien-aimé du Seigneur. Quand tu pries, le ciel est bougé. Amen. Tu es connecté au ciel. Amen. Toi, tu es connecté où? Attention, frère. Attention. Tu es connecté, oui, on ne discute pas, tu es connecté. Mais avec quoi? Amen. Oh mon Dieu. Est-ce que je dis quelque chose? Amen. Amen.